Je dis à la vidéo, je vais montrer comment capable vérifier quatre identités sur Google Apps. Tout le monde connaît ces quatre façons, le monde qui pas connaît ces quatre moyens possibles, quatre options qui ne pas capable de recevoir quoi sur Google Apps surtout. Première option hein, qui s'allie, c'est taxes fiscales ou informations qui ne pas de problème pour pas recevoir quoi là. Deuxième option hein, c'est Pinon. C'est l'être là pour recevoir. Si vous voyez l'être là, vous n'êtes pas capable de recevoir paiement, vous êtes capable de retirer quoi sur Google Apps. Troisième étape là, c'est quatre identités. C'est quatre identités vous êtes capable de vérifier pour retirer quoi sur Google Apps. Si vous avez trois étapes, quatrième étape là, c'est code paiement. C'est un compte bancaire pour activer sur lui, pour retirer quoi sur lui. Si vous avez quatre étapes, ça y est, vous êtes déjà éligible pour retirer quoi sur Google Apps. Mais sur les quatre étapes, ça y est, vous n'êtes pas capable de retirer quoi. Sur Google Apps. Ah, mais si vous dites que ça nous a dit, c'est comment on va vérifier 4 identités. Ok, pour faire ça, on peut aller sur Google Chrome avec un document. Là, sur Google, on va cliquer en bas de recherche là. Et puis là, on va cliquer Google Apps. On va cliquer sur le 5 là. Et puis là, on va chercher l'option ça qui est marquée. C'est NAP, continuer tout Google Apps. On va cliquer sur cette option ça là. Ok, là il est là, on s'en va, on pas ça, on va aller sur le zoom. Ok, là il va aller à gauche là, on clique sur toi, tu vas ça. Et puis là il va cliquer sur paiement. On va cliquer sur paiement, là il est là. Et puis on va cliquer sur vérification check. Et puis là il va aller sur le page ça, on s'en va. Identifier vérification. On va balancer le site là et pour cliquer là à côté qui dit tac action. On va cliquer là. Et puis là, vous avez on a fait net ça avec vous là, comme ça correctement. Ok, là, lui, on a fait net ça avec vous là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer là sur vérifier. Non, on va cliquer là comme ça pour vérifier. Ok, là, il est là comme ça. On va faire commencer la vérification. Il y a 4 étapes pour capable choisir. Il y a 4 options pour capable choisir. Donc, appliquer là. Là, il y a 4 options. Il y a permis, conduit, passeport, 4 identités, 4 résidences de paiement. Ok, laissez-moi choisir une dame. Je prends 3e, c'est 4 identités. Ok, allez, il doit écrire nom légal complété. On va mettre nom là, complété. Avec le nom pas même. Ok, on va descendre en bas, on va choisir pièce d'identité, on va fouiller. Ok, on va choisir une pièce d'identité là, on va fouiller. Parce que je clique là. Ok, on va cliquer là sur affiche. Ok, là, il va là, on va aller là, toi tu vas aller à droite ça. Ok, on va choisir côté document là, côté où tu fais l'essai télécharger, ces documents. Qui affiche correctement, on va cliquer sur télécharger quelqu'un, ça va dépendre de vous-même. On va cliquer sur document. Ok, là, on va mettre toutes pièces là correctement, qu'on a qui soit fait. On va mettre tout document ça là correctement et puis on va cliquer là sur suivant. On va mettre des pièces là, on va cliquer sur suivant. On a là où vérifier adresse si c'est correct. Je dois vérifier aller sur la site tout correct et puis surtout aller sur fin correct là qu'on va cliquer là sur envoyer et puis qu'on va cliquer sur ok. Ok, là qu'on a tout bas fini là, on est capable de refresh page là pour que tout bas est fini. Ok, ok, et puis tout bas ok là, c'est là de me faire une vidéo. Ciao, ciao, dans une vidéo, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci. Merci, restez à l'écoute.